première année, donc beaucoup de questions se posent. On découvre les lieux, on découvre les équipes, on découvre un peu tout ça. On voit un peu comment le lieu fonctionne avec la foule, etc. Et on note directement les points à améliorer. Donc je pense que l'année prochaine, on va quand même avoir quelque chose d'un cran au-dessus, quoi. C'est avant tout la ville de Narbonne hein, qui organise ce festival. Ça va faire bientôt 20 ans que j'habite à Narbonne et je peux dire que c'est inédit. Et c'est pas faute de l'avoir voulu qu'il se passe quelque chose de conséquent à Narbonne. Il faut une vraie volonté municipale. Voilà, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est vraiment un désir. Et là, à ce moment-là, ça ouvre un travail commun qui permet d'apporter et de réussir un festival comme celui-là. On s'est retrouvé avec un pool de producteurs qui sont à gauche de la Lune, de Lille, Basse Production de Bordeaux, Première Pression de Toulouse et donc nous, la belle idée de Narbonne. Ce pool de producteurs, c'est très intéressant parce que ça permet de travailler ensemble, de s'occuper de différentes parties selon nos compétences. Et donc je pense qu'on a tous des compétences un peu différentes, donc c'était l'intérêt. Et surtout de grossir les équipes et d'aller beaucoup plus vite. Hein. Ça fait aussi des rencontres, c'est quand même. Ça a permis de le faire. Quoi. Personnellement, moi je trouvais ça assez grandiose, surtout que ce virage de gradin là promettait une belle arène. Donc ça me plaisait beaucoup l'idée, mais malgré tout, techniquement, c'était pas facile. Parce que effectivement, un stade, c'est fait pour accueillir beaucoup de monde, mais dans les tribunes, et pas du tout sur la pelouse. Donc les accès, les issues, etc., c'était plutôt compliqué à mettre en place. C'est pour ça que le public devait faire un passage. Mais on est arrivé, je crois, quand le public était arrivé sur place, à un bon résultat. Même si on a déjà des idées pour améliorer tout ça l'année prochaine. C'est un personnage mythique quoi, depuis ses films, depuis tout ça, toutes ses musiques, c'est. Voilà quoi, c'est un vrai bonheur de le voir à chaque fois. Quoi. Ils ont mis la reine à feu et à sang. We'll be right back.
c'est pas comme si n'importe quel groupe attaquait, parce que je suis leur manager depuis très longtemps. Et donc j'ai souhaité cette reformation depuis longtemps. Ils ont accepté parce que c'était vraiment Narbonne, le Rockfest. Et donc beaucoup d'émotions, un peu de stress avec eux, me dire comment ça va se passer. Mais bon, de suite rassuré, beaucoup de monde. Accordez, 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 non. Le monde à l'accordé, accordé, non. Ce qui passe devant les noms, c'est l'accordéon. Accordé, accordé, accordéon. Le monde à l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon. Sur tout le long du concert, à chaque morceau, dès qu'il y avait quelque chose qui s'enflammait ou qui était émouvant, j'avais une chair de poule, je regardais mes copains, je disais mais regarde, regarde. C'était incroyable quoi, j'ai des frissons dans le dos, ils m'ont fait de tout. C'était vraiment merveilleux. Moi, je ne sais pas de si les revoir tous les deux là, ça m'a fait remonter plein de souvenirs de ce qu'on a vécu ensemble et tout. C'était, le public était aux anges, ça partait au quart de tour. Et je vois comme un trou que dans tout point semblable à celui que le diable te fait creuser pour moi. Je vois. Mes années d'infortune, cette vie commune, avec toi mais si seul. Je bois pour me donner l'illusion que j'existe, puisque trop égoïste pour me péter la gueule. Et je lève mon verre à nos cœurs en faillite, nos illusions détruites, à ma fuite en avant, et je trinque à l'enfer. C'est un des meilleurs groupes de reggae au monde, C'est vraiment fabuleux de maîtriser le son comme ça, le groove comme ça, de partir dans une telle montée. J'ai pas pu voir tout le concert, mais je connais le groupe. Et sur la fin du concert, je suis passé, je crois que j'ai bloqué sur les deux derniers morceaux, les trois derniers morceaux, je pouvais plus partir. C'était waouh. Les gens répondaient direct. D'ailleurs, ils m'ont dit aussi en sortant, ils m'ont dit. Et là, j'étais moi là pour leur dire c'était super, et eux ils m'ont dit ouais, vous aussi c'était super. Ils sont partis avec un bon souvenir du festival. À mon humble avis, pour le public en termes de résultats, le meilleur concert du festival, mon avis. Hein. Le groupe bon, est fabuleux, bon, ça, pour ceux qui ne connaissaient pas, ils ont dû prendre une énorme claque parce que moi je suis fan depuis très très longtemps. Love.
Ouais, les épargnes, l'argent, mais jamais les gens. On a tuné de luxe dans leur esprit du monde. C'est que dans l'unité qu'on ira de l'avant. Un mic et 2500 mix, bouge qu'on sait. Tu sais que la thune est devenue plus qu'une religion. Des people managers, le luxe n'est pas en récession. Tu mets encore les coyotes de toutes les maisons. Mais les dirigeants ne tiennent pas. Même avec ta thune, j'ai l'impression qu'on prie l'oral. Et malgré tout ta thune, on n'y voit jamais les problèmes. Mais les ordres, tu m'en dis, ça sonne notre moral. Savoir que ce groupe venait jouer il y a très très longtemps, à son tout début, ils n'avaient même pas fait leur premier album. Ils venaient jouer dans des petits festivals reggae qu'il y avait dans l'Aude. Donc ils connaissent bien le coin. Et Antoine, tu peux allumer s'il te plaît. Attendez. Moi je sais que les gens qui sont dans la fosse, il n'y a pas de problème avec eux. Je voudrais savoir si les gens qui sont assis là-bas au coin sont avec nous. Et les gens. C'est bon, les gens d'en haut, tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout, yeah. Tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Et les gens qui sont dans la fosse là, s'il vous plaît. Hey. Tout le monde avec nous. Everybody, everybody. Hey. Jump, jump. Superbe concert. Là, j'ai passé un peu de temps à voir ça, d'en bas, des tribunes. Là, j'ai eu ma récompense d'organisateur. Là. Je regardais la foule répondre au quart de tour. Eh oh, eh ah, entièrement, j'étais là, mais dans les gradins, partout. Voilà, ça, c'est du bonheur, ça. Ouais, ouais, ouais. Mais les faux subissent-ils. On n'a pas conscience, c'est pour ces qu'ils les équilibrent. Parce qu'elle fout la souveille et son docile. Super showman, un technicien qui a fait un son démentiel. Un vrai message populaire, avec beaucoup de cœur dedans, de lucidité aussi. Parce que tu sais, on parle trop souvent de l'Afrique comme un pays alors que c'est un immense continent avec plein de cultures différentes, plein de peuples différents. Et si vous voulez partir avec nous, c'est juste Frikia, Frikia. Vous êtes avec nous quoi? Frikia, Frikia. Et c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Tout le monde, Frikia. D'Abidjan à Kinshasa jusqu'à Dakar, écoute bien la voix de Frikia. De Ouaga à Gaza jusqu'à Lagos, sur le rythme de Frikia. On est là, Kigali, Accra, Bamako, bord des couleurs de. Oui, ça montait encore en pression, musicalement parlant. On est sur du ska-punk, là. On n'est plus sur du reggae, raga, dancehall ou autre. Là, on est sur du ska-punk. Il y a le mot ska donc pour la musique, et en fait escaper c'est escaper aussi, c'est un jeu de mots avec escaper, échapper. Voilà, voilà, c'est des madrilènes et qui ont monté ce groupe depuis très longtemps. Punk dans toute l'Europe, là, ça a envahi pendant des années, en France notamment, mais dans les autres pays aussi. Et Escapé, c'est le leader européen de ce style-là, c'est incontestable. Y no conozco la palabra libertad.
Ça part vraiment avec un gros show visuel. Tu as vu, il y avait des gens sur SH, ce qui arrive, ça bouge au plateau. Il y a vraiment ça met le feu, Escapé. Donc vraiment, bien sûr, beaucoup de fans. Première année, on a réussi à passer le cap, à pas se prendre un gros four, à ce que ce soit un succès. Bon, ok, mais on est déjà, je pense, sur les améliorations à faire pour l'année prochaine. C'est difficile quand c'est des masses comme ça qui veulent tout en même temps bouger d'un site, tout en même temps, voilà. Donc on y réfléchit sérieusement et ça va s'améliorer, c'est évident.